téléspectateurs et fans du Raid, voici le best-of et le bilan de la première saison de votre première télé-réalité intercommunale de sport et d'intellect. Après 3 mois d'efforts, avec 3000 inscrits, 300 compétiteurs, 30 finalistes et 3 gagnants, la RTI et Bulb Studio remercient tous ceux qui ont adopté les valeurs du Raid. En effet, le Raid a pour mission d'occuper sainement la jeunesse abidjanaise pendant les vacances scolaires. Pour cette première édition, ce pari fut relevé et commune après commune, semaine après semaine, les Ivoiriens ont vibré avec les raideurs de leur commune. Retour sur 3 mois de compétition et d'efforts avant de faire plus ample connaissance avec l'équipe gagnante du Raid édition 2013. Étape 1, à Bobo, la commune des hommes forts, fut la première à découvrir le Raid. Des muscles, nous en avons pu en admirer. Dans cette commune, nous avons décerné la palme du plus mauvais nageur car il nous a démontré que là-bas, on ne nage pas, mais on marche sous l'eau. Étape 2, à Tekoubé et ses fans, nous y avons passé nos meilleurs moments de la caravane. Dans cette commune, nous avons senti dans la chaleur des foyers de nos raideurs toutes les attentes et la pression des proches de nos raideurs. Le ton de la compétition était donné. Étape 3, Marcoury, nous l'avons rebaptisé commune des superstars. On y a retrouvé le sosie de notre DJ préféré, l'incroyable Côte d'Ivoire Glazan et nos frères anglophones devenus bilingues en une journée. Étape 4, Port-Boué, révélation des talents musicaux de certains raideurs. On est venu au Raid, yeah, nous sommes tous les différents candidats. Aujourd'hui c'est à Doraville. Yeah. On est longtemps, je n'ai pas nagé, oh. Aujourd'hui là, à moi de nager, oh. Yeah. Moi je suis prêt pour ça. Étape 5, à jamais, nous n'oublierons pas les Talaboys et leur m'aider, m'aider, appel à l'aide. Appel à l'aide, à tous les bestes, c'est tous les bestes, on est dans le Raid, on est dans le Raid, après le Raid, après le Raid, après le Raid. Étape 6, Kumasi, étape marquée par ses coulisses, en marche de la compétition, nous avons découvert des jeunes talents. Moi, c'est débrancher ma branchée, je vais déchirer les pas. Étape 7, Yopougon, la belle cité de la joie, nous a montré qu'elle regorgeait aussi de talents. Nous y avons déniché Kakari, l'artiste aux mille facettes, qui nous a même fait un cours sur l'utilité de l'argent, mais pas sur les obstacles du parcours d'agilité. Étape 8, Trècheville. D'un point de vue purement sportif, cette commune est de loin la plus athlétique, mais aussi de loin la plus intellectuelle au vu des prestations de nos raideurs et raideuses. Étape 9, Plateau. La commune des hommes d'affaires a été l'instant d'une journée, la commune de la bonne humeur et de la sueur. Étape 10, Cocody. La commune résidentielle a clôturé notre caravane. De nombreux fans et riverains du site de tournage des présélections nous avaient réservé un accueil sympathique. Clin d'œil spécial à nos fans de la rue de l'amour du Manguier. 3 mois d'ambiance folle, dans la bonne humeur, dans un esprit d'équipe et des gestes de fair play. À travers les 10 communes d'Abidjan pendant 3 mois, ce fut joie, découverte, solidarité, cohésion et esprit d'équipe. Ce fut aussi, parfois, mécontentement, accident et coup de gueule. Mais au terme de toute cette aventure, nous avons finalement pu découvrir 3 visages. Ils ont tous les 3 passé le cap des présélections, de la demi-finale et au soir du 2 octobre, chacun d'entre eux a poussé son équipe à la victoire. Téninjan pour ses réponses perspicaces et son endurance, Henri Joël pour son agilité et bien sûr
à Mossy Charles, l'homme à la force herculienne qui a mené son équipe au sommet en étant le seul ce soir à compléter brillamment et sans appel l'épreuve de force. Le 4 octobre, sous la supervision de M. Touré Sanga, directeur des chaînes, M. Cissé Mohamed Lamine, directeur des programmes, Mme Dachagas, directrice commerciale, et Mme Kamate, représentant M. Khalil Bakongo, président du comité d'organisation des émissions de vacances de la RTI et ses partenaires, s'est déroulée à Bulb Studio la cérémonie officielle de remise des lots à nos gagnants du RAID édition 2013, mais aussi ceux du jeu Top Voting. Tour à tour, nos honorables invités ont pu exprimer leur satisfaction de ce partenariat inédit avec Bulb Studio avant de faire l'éloge de cette jeunesse qui a pu s'amuser sainement pendant ses vacances 2013. Ce fut un plaisir pour nous vraiment d'avoir participé à cette aventure. Et comme c'était un concours, il fallait dégager des leaders, nous avons accepté de participer. Nous sommes venus avec un trophée symbolique que nous allons remettre au vainqueur. Voici donc le trophée. Il est écrit dessus prix UTB vainqueur IRED édition 2013. Et c'est avec grand plaisir que Doraville a accompagné le RED, cette émission de télé-réalité qui a permis aux jeunes gens durant ces vacances de s'occuper sainement. Nous pensons que nous ne nous sommes pas trompés. Ils ont eu l'opportunité d'acquérir certaines valeurs telles que l'endurance, telles que la recherche de l'excellence. Et le RAID, par cela, entre totalement dans la vision de Doraville. Nous devons déjà prendre rendez-vous l'année prochaine. Et je suis sûr que cette expérience a certainement permis de tracer d'autres voies pour améliorer cette émission et gagner en qualité. Je pense qu'il faut féliciter cette équipe qui a su nous donner des moments de joie et surtout la partie intellect. Cette émission, c'est pour révéler le meilleur de la jeunesse ivoirienne. On souhaite vraiment continuer de faire plaisir et on compte sur vos suggestions. Merci à tout le monde. Et puis, on espère que la fête sera belle ce soir et que l'année prochaine, on aura des raiders encore plus forts, encore plus agiles et encore plus intelligents. Merci à tous et bonne soirée. La RTI, par ma voix, remercie Bulb Studio pour ce concept assez original. La RTI remercie également les candidats pour leur participation et leur esprit d'équipe. Nous anticipons sur la prochaine édition pour lancer un appel aux potentiels annonceurs en leur demandant d'associer leur image à cette émission afin que vive le RAID 2014. Remerciements à nos partenaires Eurostar Limousine. Et l'officiel de l'immobilier. Sécurité avec des conducteurs expérimentés et une équipe de professionnels du transport sur nos lignes nationales. Avec UTB, découvrez aussi le Ghana, le Togo, le Bénin. Contact
20 37 24 02, 21 28 33 26, 06 99 73 43. UTB, la Côte d'Ivoire s'ouvre à vous. Pour avoir soutenu leur équipe par SMS, les meilleurs votants du jeu SMS ont perçu leur lot. J'ai gagné un écran plasma. J'ai gagné un réfrigérateur. J'ai gagné un speed. En plus de leur super lot, ils ont reçu des gadgets RAID, des tickets gratuits et des bons de consommation chez nos partenaires. Mais le point culminant de cette soirée fut la récompense de nos vainqueurs. Après la remise des lots, des deux premiers de la demi-finale, nos invités ont pu assister. Les équipes de Trècheville et Yopougon, respectivement deuxième et troisième de la demi-finale, ont été récompensées. Bulb Studio et la RTI ont tenu leur promesse, 3 millions de francs CFA en espèces, à l'équipe victorieuse du RAID 2013. Bourboué ! Moment d'émotion et de joie. Bon, au départ, on ne croyait pas trop à cela, mais ce soir, on voit les différents chefs, on constate que c'est une réalité. J'arrive pas à croire. Merci, merci beaucoup. Il a travaillé et ça a payé, c'est fier. La soirée s'est achevée avec un cocktail au cours duquel nos illustres invités ont pu partager des moments de convivialité en compagnie de nos raideurs. Le RAID tire ses rideaux. Rendez-vous est pris pour le RAID 2014.